ça c'est plutôt pour la maçonnerie traditionnelle en fait. Donc ça va être des éléments de moulure à reproduire sur une façade existante, car la pierre sur la façade est complètement morte. Donc on enlève la pierre abîmée et on la remplace avec la nouvelle pierre qu'on a retaillée. Ça veut dire qu'en fait ce sont des pierres qu'on va chercher carrément dans les carrières de la région? Exactement, on cherche la pierre qui ressemble le plus à l'existant. On ne peut pas forcément retrouver exactement la même, mais on retrouve la même temps. Le chapiteau existant était très abîmé, on a essayé de se baser sur le reste des moulures existantes pour essayer de reproduire une pierre quasiment identique. Pour ce chapiteau, je suis en train de tailler des canures à la main, ciseaux et massettes. Quand on regarde l'éclairage de la pierre, on voit qu'il y a un décalage d'un bon centimètre, donc là je vais retailler la pierre sur chaque niveau pour comme ici pour remettre toutes les moulures à niveau pour pas que ça choque une fois que la pierre sera posée sur le monument. Les pierres étaient complètement abîmées, toutes les moulures étaient complètement cassées. On a fait un relevé sur place et puis s'inspirer un petit peu des moulures qu'il y a sur le reste de la façade. On a piqué tout pour avoir suffisamment de place pour reposer les pierres. Là, on est en train de poser depuis ce matin les deux chapiteaux, les deux pierres d'en bas pour pouvoir accueillir après l'appui de fenêtre qui va être dessus, quoi. La force de l'entreprise, c'est d'avoir un atelier qui peut répondre à nos demandes en fonction des différentes moulures que l'on a besoin, quoi.